Un repos bien mérité hein, du côté du chalet Pedro, là, chez Zaza. C'est vrai qu'il y a une grosse remise en route sur le plateau d'Irati, en deux fois cette fois-ci, avec déjà le week-end dernier les pistes qui ont été un petit peu réaménagées parce qu'il y a eu un hiver très rigoureux. Oui, tout à fait. Bon, on n'avait pas ce gros travaux de remise aux normes des pistes puisque l'an dernier, on avait passé le bulle partout. Mais par contre, on a eu plus de remise en état qu'on ne pensait. Donc, on a dû prendre l'appel du syndicat de Soule, la louer et intervenir. Et on a bien travaillé parce que c'était quand même assez sec le week-end dernier. On a pu faire tout ce qu'on voulait. Aujourd'hui on revient, puisque c'est une classique, chaque année on reviendra, c'est la pose des ponts. Les deux ponts en bas, donc le pont de Méat, c'est le pont du Tour de Lac pour la liaison des pilotes, et le pont d'Ocab est en haut qu'on nous oblige à mettre. Alors, quels travaux ont été effectués en fait sur les pistes ? Alors, sur les pistes, sur Irati, c'est la remise en état, due en partie à des coupeaux de bois, des forestiers qui ont remis en état, mais ce n'est pas la remise en état que nous on veut au niveau des cimes. Donc, on est reparti sur Eguichuria. On a refait tout le départ de Méat, c'est puisqu'il y avait des saignées qu'on avait faites, mais qui se sont remplies pendant l'hiver et c'était passé par-dessus. Et on a refait la dernière partie d'Ocab et toute la descente qui se termine. Impeccable ce tracto. Il y a une petite modification également sur le tracé de Méatse. Oui, là, après le poste 1, donc on sort du bois, il y a une épingle gauche et après une épingle droite. Cette épingle droite, elle donnait dans des racines, donc c'était assez vilain. Chaque année, on devait remettre en état. Donc là, on fait un petit contournement de cette épingle, on va tout droit, on tourne autour d'un arbre. Du coup, pour les pilotes, c'est nickel, quoi. Il n'y a plus ce dévers et cette reprise-là en plein épingle où on peut laisser un quart d'heure. Et du côté des ponts, ça s'est très bien passé ce matin, hein, beaucoup moins difficile que l'année dernière. Là, c'est une habitude de vieux routard, on dirait. Non, là, effectivement, on était là à 9h et pour 11h30, tout était bouclé. Donc pour nous, ça nous arrange. Non, c'est très bien, on a l'expérience. On a Pierre Daribaud qui est à la manœuvre et qui fait ça très bien. Donc pas de soucis. Oui, avec une petite amélioration également sur le pont de Méatse. On a pensé à des écrous plutôt qu'une barre. On réfléchit là. Ben ouais, parce que l'an dernier on a eu des problèmes, la barre on n'arrivait pas à la mettre et une fois qu'on l'a mise on a cassé un côté, tout le pas de vis, donc Pierre avait dit on va mettre des écrous, c'est beaucoup plus facile pour mettre le pont en place, effectivement ça s'est révélé très bien, donc tout est en place.
on est bien en place, oui, on attend sereinement le rallye, les équipes sont motivées. L'an dernier ça s'est bien passé, mais on a quand même réaménagé certains endroits. On améliore toujours, les équipes savent se remettre en cause. Donc normalement on aura un très beau rallye cette année si la météo le permet.